La musique. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve là, en mode chemise hawaïenne et tout, prêt à attaquer les guêpes, chaussettes, claquettes, et même pas de chaussettes, je suis en claquettes. J'ai essayé de lire vos commentaires. Il y en a qui disent ouais, surtout ne les attaque pas, c'est hyper dangereux. Il y en a d'autres qui disent ouais, c'est rien. Il y en a d'autres qui disent ouais, du nettoyant fric. Et il y en a d'autres qui me disent attaque avec le produit, machin. Donc j'ai été acheter une bombe, je vous la montrerai après quand on sera sur place. J'ai acheté une bombe à 15 balles là. Le super méga truc qui foudroie directement guêpe et frelons asiatiques et tout. Et là j'ai attendu le plus que je pouvais. On va arriver, il sera à 21h30. Donc, quasiment couché de soleil, il est en train de se coucher, donc je me dis c'est le meilleur moment parce que autrement il fallait y aller le matin, mais genre hyper tôt et c'est pas possible à moins de taper une nuit blanche quoi. Parce que le problème c'est que je suis pas à côté, je suis à un peu plus d'une demi-heure de route, et en plus de ça c'est compliqué d'y aller juste pour ça, tu sais, de faire des allers-retours pour pas pour rien, mais quasiment, tu vois, parce que le 530i il a quand même plutôt tendance à sucer. Même te dire qu'il suce plus que les vendeuses de fleurs mobiles là sur la 113, donc voilà, même si c'est la vacance, les machines, le truc, faire un aller-retour juste pour passer du spray à 15 balles, et ben ça embête un petit peu, voilà. Oui, je peux mettre de l'essence si j'en ai envie, mais c'est le principe, tu vois, je suis pas du genre à être là, ouais, c'est pas grave, allez, tiens, un billet de 50, tu vas par la fenêtre, non. Donc c'est un peu emmerdant d'y aller juste pour ça. Et en plus il fait là tout de suite, la voiture il est 29 degrés encore, bon, il commence à faire frais quand même, mais c'est chaud de mettre des gros habits, tu vois. Donc je vais voir comment je peux faire, je vais faire ça à l'arrache comme d'habitude, enfin, à l'arrache, j'ai acheté le produit, machin, je vais à la bonne, pas au meilleur moment, mais un des bons moments, parce qu'ils sont censés être plutôt calmes là, les guêpes, tu vois, commencer à s'endormir. Donc je vais essayer de les attaquer là maintenant. Et j'espère que peut-être le produit que j'avais mis la dernière fois, même si c'était relativement dangereux, j'espère que ça a quand même fait un petit peu effet et qu'il y en ait peut-être moins. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. C'est compliqué, je suis en vacances, tu vois. Je vis à moitié dans ma BM. J'ai tout dans le coffre, machin. Les allers-retours, machin, faire garder les petits, tout. C'est un bordel. Hein. Voilà. Mais là, j'y vais, là. Là, je me rends sur mon terrain de Manouche là, et on va essayer d'attaquer ces saloperies là pour les faire partir, en espérant ne pas me faire attaquer, ne pas mourir. Mais je vais y aller tout en douceur, je vais pas y aller en courant, ouais, non, je vais y aller comme la dernière fois, je pense que ça va le faire normalement quand même. Et voilà, hein. Je sais pas si aujourd'hui on pourra démarrer la voiture, seulement ça me fait chier. Si j'étais sûr de toutes les débarrasser vite fait, bien fait, moi je mets la batterie, je démarre, parce que je suppose qu'elles sont pas dedans à l'intérieur, moi je l'espère. J'espère qu'elles sont juste, voilà, au niveau du capot, portière, tout ça. Le jour, le nid, je l'attaque. Et... Bref, j'ai pas vraiment de plan précis, mais du moins on y va là et on verra bien. Donc on retrouvera sur place. J'aurais bien aimé avoir la caméra sur la tête, tu vois, pour pouvoir être concentré au moment où je vais devoir courir. On va bien voir, hein. J'ai pas pris tout mon matériel de filmage GoPro, tu me connais, tu vois, moi j'ai ma barre de selfie machin là, la GoPro, et voilà. Et je me suis déplacé en voiture, hein, pas avec un poids lourd ou une maison ou un mobilhome sur le dos, tu vois. Bon, l'équipe, j'ai acheté ça, c'était le plus cher, en mode tu peux le faire à 5 mètres, je sais pas quoi, je sais plus où c'était marqué ça. Longue portée, 6 mètres. Donc je vais essayer de les défoncer. Hein. On va bien voir, hein, ce qui se passe. Je sais même pas si elles y sont encore. Là. Thanks. Madame, elle me dit qu'elle en a vu voler là. Voilà, je pense qu'elle s'est endormie. Hein. Ah, voyons voir s'il y en a qui sont retournés dans le nid là, qui est visible. Ouais. Ouais, ouais.
elles sont retournées. Bon, on va voir. Je vais essayer d'attaquer. Bon, l'équipe, je crois que j'ai vaincu. Cette bombe, elle marche bien. Par contre, c'est de la merde parce que, vu que c'est un mode longue portée 6 mètres, eh bien, à peine t'envoies un jet, la bombe, elle se vide à vue d'œil. Là, il n'y a quasiment plus rien dedans. Alors que ça, je te jure, ça m'a coûté 15 euros, ça. À Tridom, là, pour ceux qui connaissent. Là, il doit y avoir, je sais pas, moi. Je tremble, genre ça dedans, tu vois. Alors que j'ai à peine attaqué deux nids. Mais je vais te montrer. Je pense que je les ai abattus. Hein. Que là, il doit en rester peut-être une, tu sais, qui s'est envolée ou quoi. Donc, il y avait le nid ici. Ça vole plus. Et c'est surtout celui dans la portière passagère, là, putain. Que j'arrivais pas à savoir d'où elle venait, ces salopes. C'était ici. Le nid, il est là. Donc, il faudrait enlever les nids, mais j'ai pas envie de tripoter, là, pour l'instant, putain. Il y avait ce gros nid ici, là. Et là-bas, là, j'en vois pas dans la portière. Ce qui m'embête, c'est que j'ai vu des. Des samplans, là. Enfin, j'ai vu des cacas de souris comme dedans. Donc, souris ou rats, je sais pas, tu vois. C'est un peu inquiétant. Mais là, la nuit elle tombe. Donc, faudrait que je prenne mon courage en main. Max, là. Que vite, je tente de mettre la poitrine dedans en espérant qu'elle n'ait pas crevé. Et que j'essaie de le démarrer et que je le dégage de là. Voilà, tout simplement. Et franchement, ça m'aurait arrangé d'avoir un collègue avec moi, là, tu vois. Donc, je l'ai la main. Mais bon, les collègues, tu leur demandes de l'aide, ils sont jamais là, tu sais. Ouais, je suis à la plage, machin, ouais, c'est bon, allez, hop. Putain, je viens de prendre une épine dans le pied. Elle est marre, là. Je viens d'installer la batterie. Putain, le problème, c'est que je viens de faire tourner le démarreur pendant deux fois d'affilée, très longtemps. Parce que forcément, il est désamorcé. J'ai essayé de pomper sur la poire, elle est dead, ça marche pas. Donc on va retenter. Mais là, il faut que ça démarre. Tu vois, la batterie, elle s'allume. Putain. Et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur, bien sûr. Pour essayer de faire monter le gasoil mécaniquement. Je sais qu'il peut démarrer en plus, putain. Putain de merde. Oh non. La dernière fois il avait démarré. Comment je vais faire? Il y a des solutions. Mais là j'ai ni le temps de réfléchir, ni d'outils, ni rien du tout, tu vois. Je sais que bien sûr. Du star pilote, un peu de nettoyant frein, le désamorcer, le réamorcer. Mais sauf que quand tu es à la maison et que tu réfléchis, tu te dis, ouais, tu aurais dû faire ça. Mais là, je suis pas à la maison, et là, je voudrais juste qu'il démarre. Bordel de Dieu. Je me fais défoncer par les moustiques maintenant. Donc, je voudrais juste qu'il démarre pour le bouger de là. Essayer de l'emmener chez un collègue, là. Avant de venir le chercher. Le problème c'est qu'à force de préchauffer, la batterie va être dead. Et j'ai mon tout petit booster, mais c'est genre le booster, tu démarres deux fois une voiture essence quoi. Allez putain, merde. S'il te plaît. Démarre, bordel de Dieu. Tu peux le monter ce gasoil. On t'a démarré au mois d'octobre, alors fais un effort. Putain, non. Ah, bordel, faut que j'ai même pas de nettoyant frein ni rien ici. Bordel. Thank you.
Il a démarré, bordel de merde. Putain, je sais qu'on voit rien, l'équipe. Je suis désolé. Mais putain, j'ai vaincu. C'est surtout ça que je voulais vous raconter. Je suis désolé. J'ai réussi à le ramener. Donc, putain, ouais, putain, on voit rien. Caméra de mes couilles, là. Donc, j'ai réussi à le ramener ici, au village. Au moins, comme ça, il est à l'abri. J'ai discuté avec un type qui travaille à la mairie. Donc, il m'a laissé le garer là. Super cool. Donc, j'ai pas filmé en roulant ni rien. J'étais complètement... J'étais complètement en stress, quoi. Donc, putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va se quitter là-dessus. Je sais que ça va être hyper méga court, mais c'était vraiment la première étape cruciale. Là, il faut juste que je voie avec l'assurance, le contrôle technique, tout ce bordel. Et voilà, il faut que je l'amène au Karcher. Je vais essayer de négocier s'il n'y a pas un collègue sur le village, là, qui pourrait me prêter peut-être un Karcher pour qu'on le lave, tu vois. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je voulais l'enlever du terrain. Pour pas que les guêpes et tout reviennent. Je sais pas si ça a du sens ou pas, mais je me suis dit, si je le vire de là et que je l'amène en plein dans le village, les guêpes et tout ça, elles vont pas revenir, tu vois. Donc je vais le laisser là pour l'instant, et voilà. Donc je vais le fermer. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez quand même kiffé, que vous avez quand même pris minimum de plaisir. J'ai pas beaucoup filmé, comme je vous disais, j'ai fait ça à l'arrache, donc j'avais même pas pris la peine de prendre le harnais. Enfin, c'est pas que j'ai pas pris la peine de le prendre, je l'ai oublié tout simplement parce que je l'avais enlevé du coffre pour mettre la poussette et tout. C'est la vie, c'est comme ça, je suis en vacances, c'est pas facile. La prochaine étape, c'est de revenir, mais c'est déjà cool. Moi, je voulais juste virer les guêpes ce soir et j'ai pris mon courage et on a réussi à le ramener là. Donc c'est une grosse étape, plus que prévu. Donc je vous sors cette vidéo comme ça, j'espère que vous allez quand même kiffer et je vous dis à la prochaine. Voilà, portez-vous bien, salut, ciao. Vas-y, je vais m'envoler, moi. Tu me dis ? Vas-y. Oh, sa mère, la piste. Ah, qu'il est con. Allez, c'est parti, à Dubaï, ouais. Putain, le Fiat Punto, il arrache.